quotidien une équipe de 17 personnes. Donc c'est un métier à multiples facettes, étant donné qu'on va retrouver une partie ressources humaines, notamment pour le recrutement d'effectifs, partie administrative, gestion du matériel, organisée et procédurée par le biais de consignes, donc les missions qui sont demandées par le client. Il y a aussi une partie donc contrôle de la prestation, culture de la qualité, où je vais organiser des mises en situation, contrôler que le travail est fait tel qu'il est demandé par le client. Je dirais qu'il faut avoir un bon sens de l'organisation pour ne pas se laisser déborder. Avoir aussi un leadership qui respecte les personnes et leur permet d'évoluer et d'exprimer leurs idées. Faire le juste équilibre entre les besoins du client et aussi les idées de ses collaborateurs pour que le tout aille vers un axe d'amélioration continue. Il faut être visionnaire, toujours penser à être force de proposition et à faire évoluer la prestation en termes de qualité. Je dirais que c'est l'absence de routine. En effet, outre les tâches administratives qui reviennent périodiquement, il y a toujours des cas qui se présentent et qui nous obligent à capitaliser dessus et donc à sortir un peu de cette zone de confort quotidienne qu'on peut avoir. La deuxième chose que j'apprécie, c'est de travailler aux côtés de personnes vraiment motivées, qui effectuent un travail d'équipe remarquable et qui ont un réel souci que la prestation convienne aux clients et à l'agence aussi.